Bonjour, Circule encore. On est le 19 mars 2024. Alors, je viens sous la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, Nicodème a choisi la lumière. Amen. Nicodème a choisi la lumière. Alors, nous avons Jean 3, n'est-ce pas? Le verset 19 à 21, Jean 3, le verset 19 à 21, voilà ce que ça dit. Excusez-moi. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Alors, le jugement, n'est-ce pas? C'est que la lumière est venue dans le monde et cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on connaît tous, plus ou moins, n'est-ce pas? L'histoire de Nicodème qui est venu de nuit voir Jésus parce que il était convaincu que les œuvres qui venaient de lui n'étaient pas des œuvres humaines. Et il voulait en avoir le cœur net parce que ses collègues, les sacrificateurs, disaient beaucoup de choses de Jésus, mais Nicodème avait plutôt un autre regard. Et Nicodème avait connecté à la lumière de Dieu, à la présence de Dieu, au même endroit où les autres étaient, alors que Jésus-Christ enseignait, Nicodème a connecté à la présence de Dieu, à sa lumière, à la gloire, et les autres ont connecté plutôt à un mépris, à des slogans, n'est-ce pas, contre Dieu, et à rabaisser Dieu dans toutes ses œuvres. Et c'est dit que, au verset 19, c'est dit que ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Amen. Il y a une préférence, amen, des ténèbres par les collègues de Nicodème. Alors on saisit par là que c'est un choix. Amen. Quand on parle de préférence, c'est que il y a la possibilité de choisir autre chose et tu choisis ce que tu as choisi. Alors Nicodème avait la possibilité de choisir les ténèbres comme tous les autres, mais il a préféré choisir la lumière. Et ses actions ont suivi. Amen. Quand tu fais un choix, ça ne demeure pas au niveau des lèvres. Les actions suivent le choix que tu as fait afin, n'est-ce pas, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alors, dans Jacques 1, le verset 21, il dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Celui-là sera heureux dans son activité. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire ici que, avec tout choix, vient l'action qui suit. Nicodème, étant de la classe des sacrificateurs, une classe un peu au-dessus, n'est-ce pas? Il était parmi ceux-là qui étaient aussi en même temps comme des juges de la parole. C'était un homme respecté. Et ce n'était pas n'importe qui dans la religion pharisienne. Mais il a laissé tout cela de côté parce qu'il voulait avoir le cœur net
tout ce qui s'est passé. Et pour ne pas, au fait, se faire lyncher peut-être, il est allé de nuit voir Jésus-Christ. Et on n'a pas l'histoire, la suite de la vie de Nicodème. Mais après la résurrection de Jésus, après que Nicodème et Joseph d'Arimathée ont fait descendre le corps de Jésus-Christ de la croix, amen, et qu'ils l'ont mis dans le tombeau, ils ont été arrêtés par les autorités religieuses et ils ont été mis en prison. Amen. Joseph d'Arimathée était beaucoup plus vieux que Nicodème. Les deux ont été mis en prison. Amen. Et quand Jésus-Christ fut ressuscité, après avoir rencontré, n'est-ce pas, les apôtres et tout, il a aussi rencontré Joseph d'Arimathée et puis Nicodème qui l'a fait sortir de prison. Amen. Je ne sais pas s'ils font partie des premiers que Jésus-Christ a fait sortir de prison, mais toujours est-il que quand on regarde l'évangile de Nicodème, Nicodème rend le témoignage parce qu'il était là lors du procès. Et il raconte comment ça s'est passé et comment à la résurrection de Jésus, Jésus-Christ est venu. Il a porté Nicodème et il a porté Joseph. Il a les posé dans leur maison, dans leur chambre. Et les soldats sont venus pour ouvrir les prisons. Ils ne les ont pas trouvés. Ils sont allés dans leur maison, ils les ont trouvés les deux, chacun chez lui. Ils ont dit, mais comment avez-vous fait pour venir ici? Ils ont dit, le Seigneur, il est ressuscité et c'est lui qui nous a portés, qui nous a amenés ici. Alors, on leur a dit, ok, puisqu'il vous a déposé chez vous, vous ne sortez plus de là. C'était plus la prison, mais leur prison était désormais dans leur maison. Amen. Et ils ont touché la vie de plusieurs personnes, n'est-ce pas? Parce que, étant chez eux, Nicodème a pu écrire, n'est-ce pas, son évangile. Et leur vie était un témoignage. Et on leur a dit que si on les voyait à l'extérieur de leur concession, alors ils seraient punis. Et quoi de plus normal hein, que de rester chez soi, n'est-ce pas? Alors voilà leur vie, ils ont fini leur vie chez eux. On les a envoyés loin de Jérusalem, dans les campagnes, là où ils étaient d'origine. Et ils sont restés là-bas. Amen. Alors, tout cela pour dire que ils n'ont pas craint de s'afficher. Amen. Parce qu'en ce temps, tout le monde se cachait, n'est-ce pas? Tout le monde se cachait. Et puis, les disciples sont portés disparus parce qu'ils avaient peur. Il n'y a que les femmes qui étaient là à la croix et puis Jean. Et pour des sacrificateurs, pour des gens d'une certaine classe, ils se sont affichés et pas à peu près. Ils ont fait descendre le corps, ils l'ont emballé, ils ont fait ce qu'il fallait avant le sabbat, et puis ils l'ont couché là. Parce que s'ils ne le faisaient pas, le corps pourrait rester sur le bois peut-être, les oiseaux allaient peut-être venir le manger, et puis peut-être que les soldats allaient en faire ce qu'ils veulent, ils allaient le prendre, les jeter, on ne sait pas où. Dieu n'a pas voulu que cela soit ainsi pour son fils. Il a pourvu par ces deux personnes-là, pour apprêter la sépulture de son fils. Et ces deux personnes n'ont pas craint d'être traitées comme ils ont été traités. Et dans Jean 8, le verset 12, c'est dit, Jésus leur dit, il leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai, on a vu que Nicodème était troublé par tout ce qu'il voyait Jésus-Christ faire. Et finalement, il s'est retrouvé à être rempli de lumière. Il a choisi de marcher dans la lumière. Et dans Jean 7, nous avons le témoignage de Jésus-Christ après la fête des tabernacles, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Et Jésus-Christ a continué à enseigner. C'est là qu'on lui a apporté une femme, la femme surprise, n'est-ce pas, avec les hommes, ils l'ont apporté devant Jésus.
dans toute sa nudité. Tout cela pourquoi? Parce qu'il voulait bloquer l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ, la veille, tout le monde était en train de fêter la fête des tabernacles. Le lendemain, Jésus-Christ va au temple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui apportent une femme dans toute sa nudité. Et après cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les... Pardon, il ne faut pas que j'inverse. Jésus-Christ, à la fête des tabernacles, invite tout le monde. Les gens lui ont envoyé des huissiers. Amen. Pour le saisir. Et puis, Jésus-Christ, les huissiers ont dit non. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Ils ont dit, mais est-ce que vous l'avez saisi? Il dit non, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Eux aussi, ils ont été touchés par la lumière. Ils sont venus faire un travail. Et au lieu de mettre la main sur Jésus, ils sont retournés. Ils ont dit non, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Les gens ont dit, ok, on va finir par l'avoir. Amen, on va finir par l'avoir. Ça, c'était la veille. Alors, le lendemain, tôt, Jésus-Christ est au temple. Alors, tôt, ils viennent, le surprennent avec une femme, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils l'ont surpris? Ça, c'est la bonne question, parce que souvent, Jésus-Christ était quand même au courant de ce qui s'est passé. Alors, vous avez une femme, n'est-ce pas, dans toute sa nudité devant Jésus. Et Jésus-Christ règle le problème. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la femme, au verset 12, 10, il dit, alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus-Christ dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus-Christ dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et il enchaîne, je suis la lumière du monde. Vous voyez? Ça dit, à chaque fois qu'il voulait apporter son message, les gens l'interceptaient pour empêcher que le message puisse se passer. Dans la veille, il dit au peuple, venez à moi, vous tous qui avez soif, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Mais les gens n'allaient pas vers lui. Ils ont envoyé les huissiers pour l'attraper. Les huissiers ne l'ont pas attrapé. Et le lendemain, tôt, Jésus-Christ va au temple, ils envoient une femme encore pour distraire, pour empêcher l'œuvre de Dieu. Mais Jésus-Christ continue pour dire, je suis la lumière. Parce que les jours de Jésus-Christ approchaient pour aller au calvaire. Je suis la lumière. Si quelqu'un croit en moi, il ne marchera pas dans les ténèbres. Et puis, il continue encore. Et puis les gens lui disent, mais en fait, ils disent, mais tu es un démon. Écoute, tu ne fais pas les choses selon Dieu. Et puis, ils accusent Jésus. Mais Jésus-Christ leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais seule la vérité peut t'affranchir dans tout ce que tu vis. Et la vérité, malheureusement, ça ne vient pas de toi. Ou bien ça ne vient pas de tes pensées ou bien de tes émotions que tu vis. Ça ne vient pas de justifier une situation dans laquelle tu es. Ce qui justifierait, excusez la tautologie, pourquoi tu agis comme ça? La vérité, elle est tout simplement divine. Elle est Dieu, la vérité. Elle est de Dieu et puis elle est divine. Et la vérité, c'est elle qui affranchit. Il n'y a pas autre chose qui puisse t'affranchir. Et Jésus-Christ dit, il n'y a que le Fils qui peut t'affranchir. Et ce Fils, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est comme ça qu'il a pu affranchir Nicodème, en lui disant, Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu vas naître. Et puis Nicodème dit, mais est-ce que je dois retourner dans le ventre? Il dit, oui. Tu dois retourner dans le ventre. Et c'est le ventre de la mère que Dieu nous a donné, l'esprit, la sagesse. Tu dois retourner à la base. S'il n'y a pas de base, tu ne peux pas t'en sortir. Tu dois avoir cette base-là. Et connecter à cette base-là. Et avancer avec cette base. Tu dois sortir des doctrines pharisaniques. Tu dois sortir de tout cela. Et naître de nouveau. Et dans Nicodème, qui pose des questions, Jésus-Christ lui dit, mais toi tu es docteur d'Israël, tu ne connais pas ça? Ils étaient centrés sur les titres. Ils avaient des gros titres. Et Jésus-Christ lui dit, mais comment? Jésus-Christ pointe le problème qui était là. C'est un problème d'orgueil, n'est-ce pas, les titres? Il dit, toi le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses? Amen. Il dit, Nicodème, Nicodème a dit, mais comment est-ce que je vais faire? Comment cela peut-il se faire? Et Jésus-Christ dit, le docteur d'Israël ne connaît pas ces choses. Amen. C'est les choses que seul le Saint-Esprit peut nous enseigner. Dans la présence de Dieu. Dans la soumission.
dans le renoncement aux œuvres vaines, on peut acquérir cette vérité-là, à savoir que c'est Dieu seul qui libère. Et nous sommes à ce carrefour-là où Dieu nous intéresse tous, n'est-ce pas, à quitter les œuvres des ténèbres et à marcher sur les œuvres de lumière. Et c'est un choix volontaire. Dans Jean 12, le verset 24, voilà ce qui est dit dans Jean 12, verset 24. C'est dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors Dieu est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire de mourir en nous-mêmes. C'est-à-dire de laisser tomber toutes ces choses-là que tu penses que tu as raison. C'est de laisser la souffrance que tu vis au pied de Jésus. C'est de mourir en soi. Souvent, on est mort. Et puis, on est content. On se dit, ok, Seigneur, j'ai traversé. Mais le Seigneur vient te dire, tu n'es pas encore bien mort. Tu n'es pas encore bien morte. Meurs encore bien, parce qu'il y a encore un peu de toi dedans. Tant qu'il y aura un peu de toi à l'intérieur, Jésus va te dire, tu n'es pas encore mort. Il faut bien mourir. De telle sorte qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors, à partir de là, la vérité va te libérer. Tu naîtras de nouveau. Et le Dieu de gloire fera sa demeure pleinement en toi. Et Jésus-Christ de dire dans Jean 12, le verset 47, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. » La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc la parole de Jésus, c'est elle qui juge chacun d'entre nous. Parce que c'est une épée à double tranchant. Alors qu'elle te corrige d'un côté, de l'autre côté, elle t'enseigne. Alors si tu rejettes l'enseignement de Jésus, alors l'autre côté, ce sera ton jugement. Voilà où nous sommes. Et le Seigneur te dit, que le grain doit mourir. S'il y a quelque chose en toi que tu tiens en disant, ça c'est pour moi, c'est pour moi, le Seigneur dit, il met ça à terre. Tant que tu n'as pas mis ça à terre, ça ne peut pas se multiplier. Une fois que tu mets ça à terre, ça s'envoie dans les endroits, ça se disloque, dissolve, et après de cela vient quelque chose. Et puis voilà ce que notre Seigneur nous dit dans Marc 4, il faut qu'on ait ça en l'esprit. Dans Marc 4, nous sommes informés d'un fait qui se passe sans notre consentement. On n'a rien à y voir. C'est dit au verset 26. C'est dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi. Puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille quand la moisson est là. Ça ne dépend pas de toi. Et ton corps, c'est quoi? C'est de la terre. Ton corps, c'est la terre. Et c'est dit quoi? C'est dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Ton corps, c'est la terre. La semence de Dieu, elle est là, dans ton corps. Elle va germer. Si ton corps est mort en soi, alors ce qui est esprit en toi va vivre et puis tu seras juste un arbre verdoyant, flamboyant, rempli de lumière. Mais si cette terre que tu es est remplie de choses ténébreuses, alors il y aura juste la mauvaise semence et puis il y aura de l'ivraie, la mauvaise herbe, les épines, des ronces qui vont sortir de là. Et Dieu te dit qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Amen, qu'il n'en soit pas ainsi. Alors, avec l'exemple de Nicodème, on voit que il y a quelque chose à franchir, une barrière à franchir, et c'est la crainte des hommes. Souvent, on ne veut pas choisir à cause de la crainte des hommes, à cause de tout ce qu'on peut subir. Alors, on se retraite et on se dit, bon, Jésus, tu comprends très bien.
ce que je vis. Mais notre marche avec le Seigneur est telle que jusqu'où est-ce que tu l'aimes? Comment l'aimes-tu? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour ton Seigneur? Amen. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Et ce Seigneur-là, amen, lui, il va tout simplement étendre sa main. Amen. Et te protéger de tous bords, tous côtés. Voilà ce que le Seigneur va faire. Alors, c'est vraiment le temps de s'examiner, n'est-ce pas? C'est le temps de s'examiner. Souvent, on passe par des moments difficiles. Chacun pour sa part, peu importe le domaine. Mais dans ces moments difficiles que tu traverses, qu'est-ce que tu priorises? Faire la volonté de Dieu? Ou bien marcher selon tes frustrations? Et puis, sombrer? Que préfères-tu? C'est toujours mieux de marcher dans ce que Dieu veut pour toi. C'est-à-dire sa lumière, une marche d'amour. Alors que la chair subit, ton esprit s'élève en direction de Dieu. Si bien que tu deviens ce terrain-là propice où Dieu peut planter et récolter et un grain donnera 100. Amen. Un grain donnera 100 parce que le terrain aura été bien nettoyé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il donne à chacun de pouvoir persévérer, n'est-ce pas, malgré les épreuves. Alléluia et Amen.